C'était ce qu'on dit à votre manière pour chercher les problèmes. Ah, tu as vu, la fille a dit que tu as un petit cœur, toutes les femmes ont le petit pompier, donc toi aussi tu as un petit pompier. Comme ça que vous êtes. Non, 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 j'ai dit pour celles. Pour celles qui ont des petits pompiers. Même si vous voulez aller voir votre petit pompier va vous dire que non. Ma chérie, je t'aime bien. J'aime bien les moments qu'on passe ensemble. Mais là, alors là, je ne peux pas rester avec toi parce que moi, je regarde mon match de foot. Allez, ciao! Boum, il va raccrocher. Ah oui. Et tu vas rester comme ça, ilang, toute seule. Donc, si ça vous arrive, les filles, pardon, trouvez-vous une activité, s'il vous plaît. Parce que, encore, si l'équipe de ton gars est en train de gagner, ça va encore. Ton gars sera content. Ton gars sera joyeux. Ton gars va même faire la danseuse et toi, il sera petit, au petit soir. Il sera tellement content que tu auras l'impression que peut-être qu'il a gagné l'argent alors qu'il n'a rien gagné. C'est seulement son équipe qui a gagné. Eux, ils gagnent l'argent là-bas, hein, les footballeurs. Grâce à vous, les gars. Mais vous, vous gagnez quoi? Rien. Vous barrez le way à vos femmes. Vous barrez le way pourquoi? Sinon, on vous barre le way. Si vous allez commencer à crier partout. Crier partout. Comme vous allez à créer la chanson que si ton gars te bat le way. Maintenant, si nous aussi, on commence à créer notre chanson que si ton gars te bat le way, qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça sera la totale. Ah oui. Donc. Si l'équipe de ton gars gagne, tu seras content, enfin, il sera content, tout ça. Mais si l'équipe de ton gars perd, ma chérie, éloigne-toi. Parce que ça sera comme le feu qui brûle. Hein? Ça sera comme le feu qui brûle. Ça sera une brute épaisse. Dès que quelque chose va l'énerver, il va seulement mettre les coups de poing. Boum! Ah oui, peut-être qu'il va pas te mettre les petits coups. Il va pas te mettre les coups de poing, c'est sûr. Et certain, si ton gars n'est pas une brute épaisse, ah oui, hein. Mais c'est le genre que si tu poses une petite question que chérie, ça va, chérie, ça, tu vas bien, alors ton match, alors là, ne me dérange pas, je demande, ne me fais pas tes choses que tu me fais souvent là, ne me fais pas tes choses que tu me fais souvent là, parce que là, je risque de m'énerver, et là, je pense que tu vas en prendre pour ton grade, et là, alors, ils ont le français, je pense que tu vas en prendre pour ton grade, ah oui, il va commencer à s'énerver, toi-même, tu ne vas pas comprendre que, mais pourquoi le gars s'est énervé, ça m'a demandé s'il allait bien. Si son équipe a bien joué, il commence à s'énerver sur moi. Et en plus, hein, quand les gars regardent souvent les matchs de foot, ils sont souvent entraîneurs. Mais qui, non? Qui? Fais ceci, fais cela. Mais le gars là est bête. J'ai dit au gars là de tirer, non. Pourquoi le gars là n'a pas tiré? Mon frère, si tu étais entraîneur ou footballeur, il fallait aller là-bas. Ne viens pas faire le football à la maison. Ce n'est pas à la maison qu'on joue le ballon. C'est sur le terrain. Ah oui, les gars font souvent comme s'ils savaient trop jouer.